Bonjour, je suis Anne-Sophie Condemine, adjointe au maire de Lyon, déléguée à l'emploi, à l'insertion professionnelle, l'égalité des chances et conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. La ville de Lyon est très engagée globalement sur l'emploi à travers une politique très offensive en réalité, à travers plein de dispositifs, et nous avons notamment 5 antennes dispatchées dans tous les quartiers de la politique de la ville de Lyon, qui permettent de recevoir les personnes et les entreprises qui ont cette problématique emploi. Et pour les femmes, nous essayons à chaque fois de développer des ateliers spécifiques ou des actions spécifiques qui permettent en réalité de nous adresser plus particulièrement à elles à travers leurs problématiques. On sait que en fait, les femmes n'ont pas une vie, elles ont plusieurs vies. Il y a la vie familiale, il y a la vie professionnelle, il y a la vie avec les amis, il y a la vie avec les parents. Souvent, en vieillissant, il faut aussi s'occuper de ses parents. Donc du coup, la vie professionnelle des femmes est une vie qui est en constante adaptation. Et c'est pour ça que aussi ce salon de reconversion, je pense, est exactement calé aux besoins des femmes. De plus en plus, il sera probablement calé aussi avec les hommes, parce que la vie professionnelle change pour tout le monde. Mais en tout cas, pour les femmes qui ont plusieurs vies et plusieurs ruptures ou successions de vie dans une vie, je crois que c'est vraiment exactement ce qu'il fallait pour répondre. D'ailleurs, vous voyez le succès de ce salon. La première année, c'était 2500 personnes. L'année dernière, 4000. Cette année, je pense que nous allons battre des records, puisqu'il y a déjà eu 35 000 visites en une seule semaine sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment le signe que ce partenariat, en tous les cas, que j'ai souhaité monter il y a déjà 3 ans avec professionnels, est un partenariat gagnant. Alors, l'année dernière, j'avais dit, ou même il y a 2 ans, le tout premier mot que j'avais choisi était « oser ». Bon, c'est une certitude. Je dirais allez chercher, soyez disruptive, allez chercher quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu décalé, d'un petit peu hors norme. Allez dans des métiers ou dans des voies auxquelles peut-être spontanément vous n'aurez pas pensé, parce que c'est là qu'il y a des offres, et puis parce que c'est là où finalement votre enthousiasme, votre dynamique, votre dynamisme, votre volonté sera le plus payant. Soyez, cassez les codes, sortez du cadre. Voilà, c'est peut-être le conseil de cette année.